Association Santé Bio à Marénové. Regroupement des chercheurs et thérapeutes traditionnels africains. Éveil de conscience. Revalorisation de la médecine traditionnelle africaine. Ensemble, nous gagnons. Monsieur Toku Kwasi Senam, une fois encore, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bon, concernant tout ce que vous nous avez dit maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que si je suis malade et cette maladie vient de spiritualité, il faut aller chez le pasteur ou bien aller chez le féticheur. Il y a d'autres qui disent que nous ne sommes pas, je suis chrétien, je ne dois pas aller chez un féticheur. Il y a d'autres qui disent que je suis de côté animiste, donc je ne vais pas aller chez le pasteur. Et de votre côté, qu'en pensez-vous à ça? Ok, pour vous répondre, dans la Bible, un passage a dit « Mon peuple périr faute de connaissance ». C'est ça qui fait que bon nombre de personnes n'aiment pas les herbes, et bien la vertu des herbes. Alors que chaque herbe a sa vertu dans le côté spirituel et dans le côté physique. Donc les herbes ont leur vertu pour guérir les maladies spirituelles. Quand quelqu'un est malade spirituellement, on ne peut pas le guérir physiquement. Donc c'est la non-connaissance qui fait que les gens disent que moi je suis chrétien, je ne dois pas être traité par les herbes. Donc nous avons la maîtrise pour traiter les gens qui ont des maladies spirituelles et qui ne devaient pas aller chez les marabouts, les bokonos, les tout ça là, non. Seulement on va utiliser les herbes, leur vertu pour guérir les maladies spirituelles. Donc nous sommes là pour aussi guérir les maladies spirituelles. Maintenant, nous avons appris que vous avez des produits de protection spirituelle à vie. Est-ce que vous pouvez nous montrer, pouvez-vous nous parler de ça aussi? Oui, ici, ce savon-là, c'est pour la protection à vie contre tous les mauvais esprits. Si vous vous douchez avec ce savon jusqu'à la fin, vous êtes protégé à vie. Et il n'y a rien de satanisme ou bien de maraboutisme dans tout ça? Non, c'est le savon et les herbes seulement. C'est à base des herbes que vous avez fabriqué. Que nous avons constitué. Et d'autres produits que vous avez sur la table, qu'est-ce que vous pouvez parler? Vous parlez de ça aussi? Et par exemple, ça, nous disons que poudre de restauration de sperme dans 9 jours. Donc, c'est une poudre qui guérit oligospermie, azospermie, asténospermie, négrospermie et sperme léger. Ça, dans 9 jours seulement. Est-ce que vous avez d'autres produits à nous montrer? Oui, par exemple, ça, une chose, 10 ans de vie. Ça guérit hémorroïdes internes. C'est un antibiotique, ménopause précoce, maux de ventre, les complexités. La femme qui ne conçoit pas. Est-ce que vous avez d'autres encore à nous montrer? Parce que nous avons vu assez beaucoup de choses sur votre table. Oui, est-ce ici, que... ça, c'est pour tous les problèmes au niveau de l'abdomen. Nous avons fibromes, kystes, myomes, hernies, plaies dans le ventre et ceux qui ont de gros ventres là. Et ici, nous appelons ça super vibreur. Super vibreur, ça veut dire quoi? Super vibreur, c'est... ça, c'est pour restaurer la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, durée sur le lit.
Donc, si quelqu'un a eu ces maladies-là, il prend ça, et il restaure tout ça. Mais le problème, il résout ça, tout ce problème-là. Il devient comme un jeune, quoi. Donc, ce n'est pas comme les Viagra que les gens achètent avant d'aller au lit avec une femme. Il faut toujours acheter des Viagra. Non. Est-ce que ça guérit la faiblesse sexuelle ou bien ça... Ça guérit la faiblesse sexuelle. Tu redeviens comme un jeune, quoi. Ok, nous vous remercions. Merci beaucoup. Pour tous les auditeurs ou bien les téléspectateurs, et voilà ce que nous avons découvert aujourd'hui au Togo et précisément à Lomé avec M. Kossi Toku Senam, et qui est le premier responsable du groupe Santé Bio, un groupe qui lutte pour la médecine traditionnelle africaine pour toute l'Afrique entière, parce que les Européens ont leur médecine, les Américains ont leur médecine, les Chinois ont leur médecine. Il faut aussi la médecine africaine et il se bat de jour et de nuit pour réaliser ce défi. Et nous le remercions et nous vous demandons aussi de les soutenir parce qu'ils ont besoin aussi de soutien. Voilà leur numéro qui s'affiche sur leur plaque. Donc, tout le monde qui aura besoin d'eux peut les contacter sur 70 17 79 01 ou 99 10 92 86. Nous vous remercions.